Bonjour à chacun, bonjour à tous. Nous sommes dernier jour de la semaine, en 26 juillet 2024. Bienvenue dans cette revue des titres des journaux parus et déjà parvenus à la rédaction du quotidien Maison d'Abaro. Et comme d'habitude, on démarre par la manchette du quotidien Maison. Soutenance à l'université d'Abomey-Calavi, Séro Bagré et Ferdinand Akio élevés au grade de docteur. Le cercle des universitaires continue de s'agrandir avec de nouveaux docteurs. Cette fois, c'est Ferdinand Akio et Séro Bagré qui viennent de faire leur entrée. Le premier a présenté les résultats de ses travaux de recherche le mercredi 24 juillet passé à l'université d'Abomey-Calavi sur les stratégies financières et d'investissement pour accroître les performances économiques des pays de l'UEMOA. Le second a travaillé sur le thème « Engagement communautaire et logique des acteurs » pour la pérennisation des acquis des projets éducatifs soutenus par l'UNICEF dans le Borgo et la Liborée. Les résultats ont été présentés le jeudi 25 juillet passé à l'université d'Abomey-Calavi. Cette information est à lire à la page 2 du quotidien d'Abaro. Et puis on passe à présent au quotidien Le Béninois Libéré, Bénin-Niger, les points abordés et réglés entre les pays, deux nations sœurs, deux présidents frères, Talon et Tiani pour le développement. Criette des poursuites judiciaires engagées contre deux entreprises. De gros soucis pour la maison de luxe Bénin Immo et leur promoteur. Le matinal titre en manchette ce matin, mission express des émissaires de Tiani au Bénin. Les principales pommes de discorde réglées. La délégation nigérienne satisfaite. Nouveau format du FIP, Porto Novo, une destination touristique de premier plan. Violence basée sur le genre, harcèlement, les femmes à l'épreuve dans un hôtel à Cotonou nous apprend le potentiel forum international de la démocratie participative en Afrique. Cotonou à l'honneur du 8 au 12 août prochain. Crime de sang sur une mineure dans le zoo. Une fillette de 8 ans assassinée, 7 personnes en prison. Les quatre vérités à présent, après la rencontre des émissaires du général Tiani avec le président Talon, les Nigériens repartent de Cotonou satisfaits. Les lignes bougent enfin entre les deux pays. Animation de la vie politique au Bénin, le Parti populaire panafricain porté sur les fonds baptismaux en août prochain. Le soleil Bénin Réfaux, Bénin-Niger, un pas décisif vers la dégel de la crise. Rencontre entre le chef de l'État et une délégation des autorités nigériennes à Cotonou. L'association Sauvons notre transport dit merci à Talon, Tiani, Yahi et Soglo. L'affiche du jour, titre en manchette ce matin, promotion de la culture et du tourisme au Bénin. Le programme détaillé du Festival des masques de Porto Novo est à lire à la page 3 du journal Assemblée nationale. Le président Vlavonou reçoit le nouveau représentant résident du PNUD au Bénin. Passons à présent au quotidien Dynamisme Info, tournée de reddition de compte à Godomé, des propos d'appréciation attribués à Léopold Zinsou. Dépeuplement des prisons au Bénin, faire libérer les détenus à caractère politique, l'autre alternative nous apprend ce journal. On passe à présent au quotidien Fraternité. Lieu de restauration à Cotonou, l'hygiène conjuguée à l'imparfait. Drapeau national sur les grandes artères de Cotonou. L'indépendance avant l'heure, les couleurs d'une 64e célébration vue par les populations. Groupe de presse du Cœur Info, déjà 3 ans d'engagement au service du développement, nous apprend du Cœur Info. 4e édition du tournoi des grandes vacances à Kouandé. Aminou Mama Ibrahim pour l'éclosion de la jeunesse des 2KP. Revenons à présent aux autres titres du quotidien Maison d'Abaro. Pour égayer le public lors de vos événements festifs à Parakou et ses environs, Waba, la troupe de danse qu'il vous faut. Études universitaires, les nouveaux bacheliers dans l'embarras du choix de filière. Univers médiatique au Bénin, du Cœur Info, boucle 3 ans d'existence. Et voilà, c'est la fin de cette revue des titres, mesdames et messieurs. Merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité renouvelée. Je veux également remercier toutes les équipes qui ont contribué à sa livraison. Bon week-end à chacun et à tous.